C'est la dernière ligne droite de l'année scolaire 2020-2021. Les apprenants des lycées et collèges de Parakou planchent pour les épreuves du deuxième devoir, surveillées du second semestre ce lundi 17 mai 2021. Du lycée Mathieu Bouquet au collège d'enseignement général de Guémant, en passant par le CEG Zongo, le constat est le même. La composition se déroule sans grande difficulté, confirment les responsables d'établissement. Les apprenants sont dans les salles en train de composer. Vous avez des classes de la promotion 3e et tout le second cycle. Donc c'est quand ces promotions vont finir, qu'on va entamer mercredi avec les autres promotions, à savoir 6e, 5e et 4e, pour finir mercredi et vendredi, excusez. Bon, on a bien démarré, les surveillants des salles ont répondu présents. Les apprenants pour la plupart aussi étaient dans les salles. Je crois que ça a bien démarré quand même. L'année est en train de tirer à sa fin. Et c'est la dernière série de devoirs surveillés, c'est-à-dire la deuxième série de devoirs surveillés du second semestre qui marque la fin de l'année scolaire. Bon, heureusement, nous avons fait ce qui est en notre pouvoir et les programmes sont achevés à presque 95%. Tout a été bien préparé, les épreuves ont été déjà tirées, multipliées et suivant la programmation, les épreuves sont en train d'être composées par les élèves. Des apprenants rencontrés apprécient les épreuves à eux proposer et comptent redoubler d'efforts pour affronter celles restantes. J'ai composé le français et ça s'est bien passé. Les épreuves n'étaient pas si compliquées. Quand même, ils ont laissé le temps de bien composer et c'était bon. Je prie Dieu que les épreuves qui viennent ça plus agréable pour pouvoir travailler, pour avoir des bonnes notes. Au moins, le prix de français, c'est abordable, pas compliqué, terre à terre, on remercie. Mais on ne sait pas ce qui nous réserve les autres épreuves. Les derniers virages sont vraiment importants. On ne doit pas laisser se faire. On doit vraiment, vraiment apprendre le coup, d'être toujours prêt et ne pas être déconcentré par quelqu'un. Conscient que ce devoir marque la fin de l'année scolaire en cours, des responsables d'établissement invitent les parents d'élèves à un suivi rigoureux de leur progéniture pendant cette période. Les apprenants doivent également se mettre au pas afin de tirer leur épingle de jeu. Nous avons demandé aux parents vraiment de prendre soin de ces enfants à la maison. Une fois à la maison, qu'ils reprennent leur cahier, qu'ils révisent. C'est ce qu'ils ont vu avec leur projet qu'on va leur demander. Il n'y a rien de sorcier. Et nous avons demandé à ces apprenants aussi d'être vraiment studieux, d'être réguliers, surtout les retards, parce qu'il y en a qui viennent en condition en retard, ce n'est pas bien. Les élèves doivent mettre des bouchées doubles pour rattraper ce qu'ils ont perdu au premier semestre. Ceux qui n'ont pas la moyenne doivent se rattraper pour bien travailler et combler le premier semestre. Et ceux qui avaient déjà la moyenne, qui ne pensent pas que tout est déjà acquis. Et ce que je leur recommande, d'étudier avec sérénité, avec une concentration totale et de ne pas avoir la peur. Démarré ce lundi 17 mai 2021, ces devoirs prennent fin le vendredi 21 mai prochain. Bonne chance à toutes et à tous.